Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Sonic Frontiers. J'avais pas fait de vidéo au moment où il est sorti. Là, comme vous le voyez, j'ai joué à peu près une demi-heure, hein, donc j'ai pas joué beaucoup. Je l'ai acheté après, je l'ai déjà trouvé à 30 euros. Donc de toute façon, ce que je disais, hein, quand ils ont sorti ça, genre. Ah merde, c'est vrai, j'avais oublié que j'étais là. C'est quoi simulateur? Oui, non, faut branle de ça. Quand ils ont sorti le jeu, genre la veille de la sortie de God of War. Ah merde! Chier lui. Bah c'était sûr que ça allait. Bah, je vais aller chercher des anneaux d'abord. Parce que le problème c'est que la dernière fois je l'ai. Non, laisse-moi toi. Je l'ai attaqué, j'avais genre zéro anneau. Et bon. Bah, c'était pas une très bonne idée. Donc j'ai joué une demi-heure. La vidéo aujourd'hui, ça va être juste une vidéo en détente. Ça, c'est un petit peu relou par contre là. Parce que je suis censé pouvoir l'attaquer là. Et j'arrive pas à retomber correctement. Après, je suis peut-être un peu nul. J'ai pas bien pris le truc en main encore. Il y a des choses dans le maniement que j'ai pas encore bien compris. Puis alors là, j'ai pas joué au jeu depuis quelques jours, donc il y a aussi des choses que j'ai oubliées sur les commandes. Allez, on va l'exploser ce con. On va lui péter son troisième bras. Voilà. Donc le jeu, je l'ai mis dans la version, je l'ai mis en mode performance parce que très honnêtement, il y a un mode 4K natif où ça tourne à 30 images secondes et bon, un jeu comme ça à 30 images secondes, c'est pas possible. C'est absolument pas envisageable. Donc ce sera 60. Et puis c'est tout. Merde. Ce sera 60 images secondes et puis c'est tout. Voilà, ça va faire apparaître des choses sur la carte. Il y a Amy derrière. Ok. Ben ça, c'est quand même un jeu qui fait pas mal parler. Au final, il y a eu beaucoup de critiques après le premier trailer. Et en fait, le premier trailer, pour moi, j'ai l'impression de voir un peu une vidéo, vous savez, où ils ont pris un décor au pif, généré aléatoirement par le moteur graphique. Ils ont juste collé Sonic dedans pour tester un peu la physique et tout. Et le truc, c'est que je pense qu'ils auraient jamais dû nous montrer ça. Mais en fait, j'ai l'impression que le monde ouvert entier, c'est ça. Tous les niveaux, c'est vraiment des niveaux type Sonic et tout, colorés avec le gameplay qu'on connaît, tout ça. Et le monde ouvert, j'ai l'impression de voir un monde qui a été généré aléatoirement par le moteur graphique, qui n'a rien à voir en termes de direction artistique et tout, même en termes de technique, il y a du clipping partout et tout dans ce monde ouvert. Et on se balade dedans, quoi, en gros. C'est très bizarre. Encore à 127. Moi, je suis en train de. Allez, on s'en fout. On y va. Je suis en train de matraquer le bouton. Ça va vous défoncer les oreilles dans le micro. Voilà, on est en plus sur un gameplay type 2D. Bon, comme il y a plusieurs. Merde. Comme il y a plusieurs chemins, je suppose que j'ai déjà loupé des trucs. Qu'il y a, voilà, ici par exemple. Bon, voilà, du coup, pour le temps, c'est flingué. Et je me reprends le même pic. Mais ces trucs rouges, c'est bien de les récupérer aussi, du coup.
Mais là, bon, pour le temps, déjà, c'est flingué parce que le temps est pris en compte aussi. Et le problème, c'est que là, je fais n'importe quoi. Je vous l'avais dit, hein, jouer à ça et commenter en même temps, c'est pas. C'est pas forcément l'idée du siècle. J'en ai eu des idées de merde, mais bon. Ah, je l'ai eu. Ouais, ah oui, mais oui, du coup, ça m'a pas validé la première, je suis dégoûté. Merde, fallait aller où là? Ah, on pouvait descendre, ok. Bon, malheureusement, j'ai loupé la première pièce rouge là. Là, on est vraiment sur une vidéo où il n'y a aucun but, hein. C'est vraiment une vidéo détente. C'est pour pas vous laisser, laisser la chaîne 15 jours sans vidéo. Et comme j'avais rien fait sur le jeu. Où est-ce qu'elle était cette. Chaque fois je vais me le manger ce truc. Mais non, mais quel idiot! Oh là là! L'accélérateur, la bordel. Voilà. Ce qui m'intéressait surtout, c'était d'avoir la. Je me suis fait avoir encore au même endroit pour perdre du temps. C'est génial. Mais bon, j'aurais pas l'or, mais si je peux améliorer mon temps. C'est pas mal quand même. Je crois que j'ai amélioré mon temps, j'ai récupéré l'or. Enfin le l'or, les 5 étoiles, les 5 pièces là. Et rambé, vous voyez, on était rambé, on est rambé maintenant. C'est quand même mieux. Bon. Transmets-moi à la puissance des graines. D'accord. Allez. On a visiblement aussi de la puissance qu'on gagne comme ça. Ok, de la défense et. Ok, là-bas il y a le Robotnik. En tout cas, il y a son. Fallait pas que je saute comme ça. Y a un truc qui vole là. Ok, ça me dévoile des parties de la carte. Gentiment. On m'envoyait droit sur le grand glandu. Allez hop. Ça, je vais peut-être vous le cuter parce que du coup. Ah, je vais peut-être vous cuter le premier parce que je m'en sors beaucoup mieux sur celui-là. Finalement. Donc peut-être qu'à ce moment précis, vous n'allez pas comprendre ce que je dis parce qu'en fait, vous n'aurez pas vu le premier. Merde, quel abruti!
Bon, j'ai rien dit en fait. Je me débrouille pas mieux. Allez. Merde, oh là là, mais quel con! Quel idiot! Allez, vas-y. Pourquoi pas? Plein sur ma gueule. Allez. Et boum. Donne-moi cet engrenage. Après, ouais, on a une touche turbo, hein. Je l'utilise pas beaucoup depuis tout à l'heure, mais... Ok. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est peut-être un petit peu le problème parfois. C'est qu'on vous lâche des trucs un peu en mode... Démerde-toi. Comprends-toi-même. Je la comprends pas bien, elle. J'ai l'impression que c'est en même temps ma copine et en même temps elle veut me... Elle veut me finir. Peu difficile à cerner, mademoiselle. Tu n'es pas prêt. Reviens. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont vraiment des gueules particulières. Particulières, pardon. Il y a un cycle aujourd'hui, vous voyez. Il est où l'espèce d'ermite là? Truc chelou là. Il est là. Et lui, il est même pas marqué sur le radar. Hein. Mais j'ai pas eu le temps non plus d'avancer énormément, je trouve, même s'il s'est passé des choses par rapport à la vidéo. Et en plus, là, on a le niveau sur un autre plan en termes de caméra. Je suis con. Ah, non. Bon, bah, j'ai loupé la pièce, déjà. J'ai loupé le truc rouge. Mais en fait, j'oublie toujours cette foutue touche turbo. Déjà, on va essayer d'arriver au bout du niveau.
avant d'ambitionner d'aller chercher quoi que ce soit. Parce que là, il y a tellement de chemins, tellement de trucs différents. Là, j'en ai chopé une pièce rouge, j'ai même pas vu. Hein, donc, voyez. Après le début du jeu, il vous demande aussi de choisir. Genre, si vous êtes déjà joueur de Sonic et donc vous choisissez vitesse. Ou si. Là, j'ai pas compris. Ou si vous n'êtes pas du tout joueur de Sonic et apparemment, ce serait un mode un peu moins rapide, le jeu serait moins rapide, je crois, de ce que j'ai compris. Donc, bon. À voir, hein. Bon, là, déjà, le temps. C'est niqué, hein. On va pas re-sauter dans ce machin parce que j'ai pas compris où est-ce que ça va propulser. Moi, c'est ça que je voulais faire. Voilà, je vais être pourri en termes de temps et d'anneaux puisque je suis mort entre deux. S'arrête là. Ou allez, peut-être on va voir si on peut récupérer une émeraude ou pas. Allez, on obtient deux clés. Pour l'instant, le but c'est vraiment de récupérer les cœurs là. Quoi? D'accord. Encore une fois, j'avais rien compris à ce qu'il fallait faire. En vrai, c'est moi qui suis con aussi, un petit peu. Hein. C'est toujours de la faute du jeu, hein. Mieux la chier. Allez, point de compétence. Je suis pas fou quand même, LBRB. Bon, j'y arrive pas, écoutez. Celle-là ou l'autre? C'est ça, d'accord. C'est que ce truc. Une roue. Bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour la vidéo, en tout cas.
Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.